pour les États-Unis d'Afrique et les États africains unis, c'est pas la même chose. Un système fédéral et un système confédéral, c'est pas la même chose. Donc, comment en fait concrétiser le panafricanisme pour ne pas que ça soit juste un idéal aspirationnel? Donc, en fait, c'est Frantz Fanon qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, pour vous, Aziz Fall, quelle est la mission de votre, de notre génération aujourd'hui et comment parvenir à l'accomplir? Bon, moi, il me reste moins de futur que de passé, donc je suis plus proche de l'avenir Non. parler pour vous. D'ailleurs, je crois que l'entière entrevue que nous avons faite est émaillée de solutions, c'est-à-dire que c'est des solutions de rupture, elles ne sont pas à la mode, elles sont en conflit, effectivement, avec l'ordre du monde. Moi, je pense qu'il faut expliquer les choses très simplement aux gens. Il faut être fier d'être africain sans avoir l'arrogance ou le narcissisme. Il faut comprendre c'est quoi l'africanité. Qu'est-ce qui unit notre africanité? Qu'est-ce qui nous distingue des orientaux asiatiques? Qu'est-ce qui nous distingue des occidentaux, même lorsqu'on est aliéné? Donc, ces éléments-là, c'est ce vivre ensemble qu'on reconstitue. Ensuite, en termes de projet économique, est-ce qu'on doit s'intégrer en position faible ou bien on s'intègre en position forte dans l'économie monde? Donc, nous, on dit, pour s'intégrer dans l'économie monde, on doit d'abord se consolider. Et pour se consolider, il faut être maître chez nous. Il faut qu'on soit capable de maîtriser nos ressources. Faut qu'on soit capable d'assurer notre souveraineté, notre autodétermination et de voir notre propre projet de société. La demande sociale, elle est dans le camp des défavorisés, des masses rurales, des femmes. C'est elles qui exigent véritablement les changements pour le 21e siècle. Donc, moi, mon projet de société, c'est vers elles, c'est vers ces femmes, c'est vers les jeunes que je le tourne et je pense à leurs besoins essentiels, leur système de santé, leur système d'éducation. Le type d'habitat qu'ils peuvent avoir, les énergies renouvelables qu'ils peuvent avoir, l'eau potable qu'ils peuvent. Vous savez, l'eau, là, vous regardez l'eau comme ça, l'eau dans le développement, c'est une eau que quelqu'un d'autre a bu avant vous. Ça veut dire que cette eau-là, mais elle a été filtrée, vous la buvez, elle passe dans un système d'égout, elle est salie, elle revient dans un système, elle est nettoyée, on peut la boire de nouveau. Mais c'est ça le développement. Et pour ça, c'est évidemment quelque chose de très dur, ça demande des infrastructures dans un monde qui considère qu'il peut privatiser l'eau. Et que l'eau n'appartient pas à tout le monde. Donc moi je dis l'eau appartient à tout le monde. L'eau est un organisme vivant, on doit en faire attention et on doit assurer son accès à la multitude. Donc je ne parle pas au nom de ceux qui parlent de privatisation, je parle au nom du bien commun. Donc oui, il y a des choix que nous faisons et ces choix, c'est des choix drastiques. Ils sont en rupture avec l'ordre néocolonial, ils sont contre l'impérialisme, ils sont contre la militarisation, ils sont pour le retour vers un animisme écologique sans narcissisme, la redécouverte de nos schémas de solidarité, nos éléments de péréquation, comme je l'ai dit, d'échange entre les zones, ça suppose une monnaie unique, ça suppose une armée continentale, ça suppose un système culturel commun. Et ça, c'est des choses que je pense nous pouvons faire, peut-être pas à pas, les États africains unis d'abord, quelques États qui veulent le faire, mais il faut le faire. Et si nous ne le faisons pas, mais l'autre scénario, il est bleak, il est sombre. C'est vraiment l'Afrique sans les Africains, c'est l'Afrique des ressources, c'est la perpétuation des conflits qui sont instrumentalisés, c'est la fameuse guerre sécuritaire qui continue, et c'est les petites poches d'archipel de pouvoir comprador avec des villes monstrueuses, défigurées, qui n'ont pas le tout à l'égout, avec des bidonvilles à ciel ouvert partout, partout, qui encerclent des petits archipels de barbelés, de prospérité. Et de gate communities. Et moi, je ne veux pas de cette Afrique-là. Donc, c'est clair que, entre ça, mes solutions, c'est un développement national, panafricain, populaire. C'est peut-être pas à la mode. J'espère qu'un jour, ça le sera. Et voilà. Alors, on en parle souvent dans les milieux panafricains, les États-Unis d'Afrique. Et en ce moment, c'est un gros débat sur les médias sociaux entre les jeunes. Alors, selon vous, les États-Unis d'Afrique, est-ce possible dans une génération? Ben, peut-être, ça dépend de ce qu'on appelle une génération. Alors, si c'est 20 ans, si c'est en 20 ans, ça suppose qu'on aurait déjà commencé avant-hier. On n'a pas commencé. Comme je vous dis, ce n'est pas un jeu de mots. Les États-Unis d'Afrique et les États africains unis, ce n'est pas la même chose. Un système fédéral et un système confédéral, ce n'est pas la même chose. On peut aller, même en étant extrêmement chicken, là, très prudent, on peut au moins faire des choses. On donne quelques pouvoirs. La monnaie, l'armée, juste quelques éléments. Puis un peu comme les États-Unis, les gouverneurs gardent leur pouvoir,
Mais bon, il y a un État fédéral. Donc, même ça, c'est possible. Même ça, c'est mieux que rien. Même ça, moi, même si c'est pas suffisant pour moi, je sais que ça, on peut le faire en moins d'une génération. Avoir un passeport panafricain, voilà. Donc, partout où tu vas dans le monde, toi, tu es qui? Mais moi, je suis panafricain. Voilà. C'est ma nationalité. Donc, et au bout d'une génération, ça se cristallise. Donc, c'est aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent maliens, vous avez des gens qui se disent nigériens, ivoiriens, mais ça a pris combien de temps pour se cristalliser? C'est récent. Diop disait justement, n'attendez pas trop, parce que quand ça va commencer à se cristalliser, les gars vont s'entretuer dans des matchs de foot, alors que c'est le même peuple. OK? Voilà. Donc, moi, je vois cette cristallisation commencer à se figer, et je le déplore. Bon, maintenant, j'ai un avantage sur beaucoup. Moi, j'avais des parents qui y croyaient. Hein, ils se sont mélangés. L'un venait d'Égypte, l'autre venait du Sénégal. Celui qui venait du Sénégal, il est devenu congolais. On lui a donné la nationalité, il est allé en Égypte. Donc, c'était déjà. Moi, j'ai une avance. Moi, les Africains, les États-Unis d'Afrique, c'est moi. Je suis déjà là. Vous ne m'avez pas rattrapé. Moi, je l'ai déjà réalisé. Moi, mon panafricanisme, il est réalisé. C'est moi. Je suis biologiquement là. Donc, les générations, elles se sont déjà faites. Vous me dites dans quelle génération? Mais elle est là, la génération. Je suis devant vous. C'est parce que ces gens-là y ont cru que j'existe. Donc, quand je vous écoute et que vous me posez ces questions, mais moi, je me dis, mais attends, ces gars-là, ils me parlent, je suis vivant devant eux, je suis moi. C'est moi la preuve que c'est possible. Je suis la preuve que c'est possible. Alors, arrêtons ces discours et ces faux discours. La réalité, elle a été dépassée avant que je ne naisse. Ces gens avaient déjà fait ces choix. C'est à vous de faire vos choix. Venez, venez avec nous. Venez et prenez véritablement votre pouvoir de changement.